Merci beaucoup, une fois de plus encore, chers abonnés et téléspectateurs de Genor TV. Merci à vous tous, vous qui partagez souvent nos liens, vous qui likez nos émissions, vous qui commentez souvent nos émissions, positivement, je vous dis sincèrement merci. Et vous qui nous soutenez d'une manière ou d'une autre, je vous dis sincèrement merci. Je suis votre humble serviteur, Franck Osvaldo. Je suis le DG de Genor TV. Genor TV, votre chaîne, la chaîne qui vous informe en temps réel. La chaîne de votre préférence. Je suis sur le plateau de Kanangatabala aujourd'hui. Voilà. Kanangatabala, ce n'est pas sur votre plateau traditionnel de Tolobelango, mais c'est sur le plateau de Kanangatabala parce que nous allons parler Kasaï Central. Nous allons parler Kasaï Central. Je ne serai pas seul sur ce plateau. Je serai accompagné d'un acteur majeur de la société civile. Je vais vous les présenter ici et vous allez les voir. C'est sa première fois d'être reçu sur le plateau de Genor TV. Mais c'est quelqu'un qui, lorsqu'il parle du Kasaï Central, il n'a pas une langue liée. Il ne porte pas les gants. Donc, il a toujours utilisé un langage limpide. Surtout quand il s'agit de l'intérêt du centre kassaïen. Je préférais l'inviter ici pour que nous puissions épiloguer sur beaucoup de questions relatives au développement de notre province. Merci à tous les téléspectateurs, abonnés qui considèrent le plateau de Genor TV au Kasaï Central comme le stade des martyrs. Voilà, merci beaucoup vous tous qui considérez le plateau de Genor TV comme le stade des martyrs. En tout cas, je vous dis sincèrement merci. C'est vraiment le stade des martyrs, le stade des professionnels. Je les reçois en qualité de coordonnateur, de notable et dignitaire du Kasaï Central et président provincial de la société civile du peuple. Il s'agit ici du peuple. Nous allons parler avec lui. La sortie du gouvernement qui a défrayé la chronique ici, ça fait parler beaucoup de gens. Les centres kassaïens qui sont ici ou qui sont en dehors de la province, ils m'ont posé beaucoup de questions concernant la sortie du gouvernement provincial. Je l'ai invité. Avec lui, nous allons parler. Nous allons parler également de la pénurie d'eau au Kasaï Central. Il y a eu la manifestation des jeunes de la Loucha. Nous allons aborder la question avec lui. Je crois que nous avons des images. Moi-même, j'avais accompagné le gouverneur quand il avait effectué un déplacement vers Tubaji. On appelle ça comment? La station de captage d'eau brite de la régie des eaux. Nous étions partis avec lui. La caméra de Genor TV était là. Nous allons vous balancer les images. Nous allons parler Kalamambouji, la route qui divise les centres kassaïens. Kalamambouji, nous allons évoquer la question. Parce que ça, c'est vraiment indispensable dans mes émissions. C'est indispensable. Nous allons parler de Chitimbombo, l'électrification de la ville de Kananga ou de la province du Kasaï Central d'une manière synoptique. Avec lui, nous allons épiloguer sur toutes ces questions. Je crois qu'il y aura encore d'autres surprises. Merci beaucoup. Il s'appelle Emmanuel Kabukapu. C'est avec lui que nous allons parler ici, nous allons discuter autour de toutes ces questions susmentionnées. J'invite Emmanuel sur le plateau. Emmanuel, comment vous allez? Non, je vais bien. La première fois d'être reçu sur le plateau, bien que ce n'est pas la première fois, une fois vous aviez intervenu, vous étiez à Kinshasa. Voilà. Vous êtes à Kinshasa? C'est fait à partir de Kinshasa. De Kinshasa. Mais aujourd'hui, physiquement, c'est la première fois. Je suis l'homme le plus jeune. Merci beaucoup. De l'honneur. Merci beaucoup. Comment vous avez trouvé Genor TV? Approchez un peu. D'accord. À Kananga, on est habitué à parler aux médias. Ouais. Parce que nous avons un peu même sérieux du courant. Ouais. Mais lorsque j'avais appris que vous êtes venu installer cette grande chaîne qui fait la fierté. Ouais. Je me suis dit, ouais, vous méritez notre encouragement. Merci. Voilà pourquoi je me suis dit, au lieu que, qu'on m'informe moi-même, je dois y être. Ouais. Je dois pour voir ce qui s'y passe. Et je vous dis également merci. C'est à nous de vous remercier d'avoir répondu. Nous vous encourageons. Ça. Merci beaucoup. Voilà. Merci. Avec vous, nous allons parler sur toutes les questions que j'ai évoquées ici au sommaire de notre émission. Kalamambouji, où en sommes-nous? Chitimbombo, approchez un peu ici. Chitimbombo, où en sommes-nous?
l'avarie urbaine avec toi, avec Safrimex. Où en sommes-nous? En fait, nous allons parler de tous les projets lancés par les chefs de l'État au Kasaï central. Vous êtes le président provincial de la société civile du peuple. Pendant que tous ces projets-là ne s'exécutent pas, c'est le peuple qui en pâtit. Quelle est la lecture que faites-vous par rapport à tous ces projets lancés au Kasaï central par les chefs de l'État? Vous avez le temps suffisamment. Merci beaucoup, M. Franck, encore une fois. Merci. Si je commence cette émission sans vous reconnaître, je ne serai pas un chrétien. Merci beaucoup. Vous nous avez totalement accompagnés durant notre séjour à Kinshasa. À Kinshasa, oui. Nous sommes déplacés à 29 personnes à notre habilité pour rencontrer les autorités et vendre réellement l'image du Kasaï central. Parce que nous, on se disait que ceux qui habitent loin n'ont pas la réalité. La réalité, oui. Et vous étiez aussi au Four et Moulin avec notre frère Kalingaï. Oui, Kalingaï, oui. Que je salue en personne. Oui, oui. Vous nous avez totalement accompagnés. Merci pour ces gestes, pour la volonté. Je vous en prie. Je vous en prie encore une fois de plus. Quand ton projet est lancé par les chefs de l'État, nous continuons à être dessus. Dubitatif jusque-là. Jusque-là, dessus, parce que ça fait pratiquement. Le premier mandat était passé. On a lancé tous ces projets au premier mandat. Ouais. Et rien de palpable a été visible. Après pression, nous avons senti quand même qu'il y a eu des changements à tous les niveaux. Je prends par exemple, on avait l'entreprise Grexet qui avait pratiquement 35 km de la Varie urbaine. Et on a fait emporter Grexet et la société est partie. Par conséquent, les travaux ont été stoppés jusque ce matin. Ouais. Il y a eu sa fumesse sans moyens, parce qu'il faut le dire, parce que nous suivons de près tout ce qui se passe. Ouais. Sa fumesse est en train de faire, est en train de préfinancer les travaux. Et l'État congolais n'arrive pas toujours à respecter son engagement vis-à-vis de cette entreprise. Donc c'est l'État congolais qui ne respecte pas ses obligations. Oui, si nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui sur le ministère des Finances, au niveau national. National, qui ne libère pas les fonds. Vous parlez de Nicolas Kazadi. Nicolas Kazadi, ce n'est secret pour personne. Aujourd'hui, si vous arrivez maintenant au niveau de la société Safmex, vous allez vous rendre compte qu'il y a plusieurs parties non payées. Non payées. Et lorsque on commence, lorsqu'on lance des travaux, et qu'on on stoppe faute de moyens, qu'est-ce à quel des ravins? Aujourd'hui, si on n'a pas les quartiers Bianchi, si aujourd'hui nous regrettons des chez Consos, c'est parce que le financement n'a pas pu, on n'a pas débloqué. Et ça créé, ça nous a créé le problème jusqu'aujourd'hui. Donc la responsabilité par rapport à ce que nous voyons, d'abord c'est le gouvernement central. Le gouvernement central. Et le gouvernement provincial aussi. Pas actuel gouvernement. Non, vous parlez de l'ancien. Pas actuel. Ouais. Actuel, nous allons. Parce qu'il faut préciser. Nous allons lui revenir. L'actuel, l'ancien gouvernement provincial et. Et gouvernement national n'ont pas eu le temps de nous aider, nous autres, à avoir aussi même 2 km de route. Des routes asphaltées. C'est notre désolation. Eh bien, ça s'est dit passé. Nous osons croire maintenant, aujourd'hui, avec l'événement de gouverneur Kamboulou, avec sa sagesse, avec la prière, parce que nous autres, on est chrétiens. Chaque jour, on fait que prier que Dieu fasse grâce à cette province qui est totalement abandonnée. Abandonné. Donc, avec lui, on espère que s'il y a aussi une volonté politique au niveau national, ça ira. Parce qu'il y a un problème de partage équilibré de équitable. C'est ça le grand problème. Le même projet que sa femme est en train de faire à Kananga, les mêmes projets, on les fait à Mbujimayi. Mais de l'autre côté, ailleurs, on apprend qu'on a donné des moyens. Et ici, on ne donne pas. C'est ce que nous disons à travers vous. Nous devons tous se mettre debout, n'est-ce pas, pour dénoncer cette façon de faire des choses, pour qu'on sache, évidemment, que nous aussi, au niveau du Kasaï central, on a aussi. C'est une des provinces de la République. Pourquoi pas alors de deux poids, des mesures. Voilà. Madame l'actuelle Premier ministre, Judith Suminwa, a du pain sur la planche. Si elle peut aussi veiller pour le Kasaï central, c'est une des provinces
abandonné durant le premier mandat de chef de l'État. Ouais. On espère que ça va aller. Maintenant, les dossiers, vous avez parlé de ce Kalamambouji. Kalamambouji, approche un peu. Le dossier Kalamambouji, c'est un combat de tout le monde. Lorsque nous étions à Kinshasa, dans le cadre, des notables dignitaires, ça c'est, on était encore au mois de mars. Ouais. Nous étions partout. Nous étions partout pour parler de cette route. Ouais, du Gassa central. Et de Kalamambouji. Parce que vous êtes très bien informé que les autres personnes. Et dans cette histoire-là des Chinois, là, les contrats des Chinois avec 7 milliards, Kassa Central n'était pas encore là. Kassa Central était encore oublié. Mais nous avons posé ce problème à Kinshasa. Mais nous ne pouvons pas être oubliés, même dans des grandes choses comme ça. Avec le poudrier, avec le lobbying, avec des pressions, on a accepté des. Kassai Central. Là, les gens en parlent. Non, vous avez fourni un grand effort. Voilà. On a inséré. Non, moi, j'avais évoqué ça. J'avais évoqué ça dans une émission ici. Merci beaucoup. On avait évoqué. Nous, nous sommes partis voir les passeurs, les 2G Freddy, agence de pilotage. On a discuté. Nous avons échangé plusieurs fois. Eh bien, on a accepté. Et nous avons dit non pour nous. Notre priorité, c'est Kalamambouji. Le pont du courant, nous en avons besoin. Kalamambouji, c'est la principale priorité. C'est ainsi que on nous avait parlé de 40 millions. On est au mois de mars sans ce gouvernement. Parce que là, les gens pensent que c'est avec le gouvernement. C'est avec ce gouvernement que ça a commencé. Le gouvernement Jigita a trouvé l'affaire et tout était déjà réglé. Je continue à dire merci au chef de l'État qui était à l'écoute de notre plaidoyer. Et aussi le DG PCIA de l'agence de pilotage. Nous étions compris. Maintenant qu'on est venu là, relancer bien entendu. Relancer, parce que ça a été déjà lancé. Qu'est-ce que nous voulons? Nous, à l'époque, nous avons dit qu'on devait donner 50 km à une entreprise, parce que c'est pratiquement 230. 230 km. Donner à une seule entreprise, 50 km encore. Nous risquerons, si on donnait des 230 à une seule entreprise. Ça va prendre un coup du temps. Ça va prendre du temps. Ouais. Alors, Dieu merci, nous, on avait proposé 4. Et là, on nous a donné, on a attribué des marchés aux deux entreprises. Des entreprises, C'est que j'ai bon. Si chacune des prenait 120, ça peut aller trop vite. Alors, nous voulons voir ça. C'est pourquoi je me dis, lorsqu'on va finir avec vous l'émission, on va prendre du temps pour aller. Parce que ça ne suffit pas de dire qu'on a lancé. Parce qu'on nous a laissé voir que l'argent était disponible. Et 40 millions. 40 millions. À cette heure, pour moi, on devait déjà commencer les travaux. Mais depuis qu'on est rentré de là, je n'ai jamais été encore avec vous. Nous, non, il n'y a pas de problème. Nous pouvons y aller. Est-ce qu'on a débité? On n'a pas débité. Qu'est-ce qui freinerait encore les travaux? Alors, nous avons la foi que cette fois-ci, ça ira. Il y a aussi des dossiers de 320 millions disponibles pour les stades des jeunes. Des jeunes, Là, j'ai dit merci au gouverneur. Qui était allé voir l'endroit. Lorsqu'on était à Kinshasa, nous avons échangé longuement avec lui aussi. Pour dire, voilà, nous avons ça comme projet. Une fois gouverneur, commencez par là. Parce que ça a commencé aussi. Lui, c'est un notable dignitaire. Dans toutes les réunions, il était avec nous. Là, il n'était pas encore gouverneur. Alors, qu'il est gouverneur, il est parti voir le chef Kanyoka, le terrain disponible. Nous attendons la semaine prochaine, si tout va bien. On va lancer les travaux. Notre souhait est que Emoussaou Biye, comme on dit. Parce que là, comme le haut représentant chef de l'État nous avait dit, lorsqu'il nous réservait à son nom, vous devez, vous, notable dignité, être. David Mokeba. Non, pas David, c'était le haut représentant. Je vois. Alors, il nous avait dit ceci. Le projet là, tous ces projets, ce sont vos projets, vous, les militaires. Vous devez veiller. Vous avez nos coordonnées. Si vous constatez qu'il y a un serveur, vous nous contactez. Nous et vous, ensemble, pour le bien de la province. Donc, on ne laisserait pas encore désormais une entreprise. C'est joué de nous. Non, cette histoire-là est terminée. Merci beaucoup. Parlons maintenant de la sortie du gouvernement Kamboulo. Quelle est la lecture que vous avez faite par rapport à cette sortie-là? Est-ce que vous êtes satisfait totalement? Voilà, je suis acteur social. Parce que je sais que c'est vous toujours qui créez des problèmes. Quand vous lancez, la population ramasse et ça provoque du boucan. Voilà.
C'est depuis 2007 où je suis acteur de société civile. Ouais. J'ai été derrière plusieurs gouverneurs. Mais ce que le gouverneur Kamboulou venait de faire, j'ai dit, mais c'est l'intelligence, ça le crée alors. Ouais. Ouais. Pourquoi? Parce que c'est un gouverneur qui a bâti Haut la main un candidat de l'UDPS. De l'UDPS. Tout le monde s'attendait que l'UDPS allait rapporter. Non, l'UDPS ne devait pas se retrouver au sein du gouvernement, l'UDPS a boycotté, l'UDPS a refusé. Mais subitement, il a été très bien conseillé pour accorder 4 grands ministères à l'UDPS. À l'UDPS. Il donne l'intérieur à l'UDPS. Il donne. Il y a comme les finances, je crois. Finances à l'UDPS. À l'UDPS. Il donne jarre et famille à l'UDPS. Ouais. Travaux publics à l'UDPS. C'est l'UDPS en fait qui gère le gouvernement de la provinciale. Donc c'est ça la promesse. Donc s'il y aura encore l'échec, l'UDPS sera aussi cité là-dedans. Ils doivent partager parce que l'UDPS a 40% de membres. 40% de membres sur 10, l'UDPS elle-même en a 4. Alors, hormis les 4 ministères attribués à l'UDPS, il y a la représentativité. La représentativité qui est respectée. Provinciale qui est respectée. Ouais, valablement respectée. Voilà. Là, il y a aussi la géopolitique. Politique. Parce que nous, dans nos recommandations, dans le cadre de notabilité, nous avons dit que nous ne voulons pas qu'un territoire soit lésé. Ouais. Nous avons fait le même gymnastique à l'Assemblée provinciale. On a travaillé. Assemblée provinciale avec les saints. Voilà, là, j'ai dit de ce côté-là, il mérite encore mieux. Maintenant, qu'est-ce que nous voulons? Bon, du côté même parti politique, il y a INC qui est là avec M. Baloufa, il y a CNSS depuis Soumabilou avec Mme Rose. Rose, ouais. Tout le monde est dans le gouvernement. Donc, c'est un gouvernement de combat. De combat. Nous l'avons voulu l'appeler un gouvernement de combat. De un gouvernement trop attendu. Parce que c'est un gouvernement qui doit faire pratiquement 5 ans. Ouais. Dans les 5 ans. Vous en êtes sûr? Il n'y aura pas de défenestration. Nous ne voulons pas. Nous ne voulons pas que ce soit ainsi. Parce que le fait de changer et rechanger encore. Même au bureau de l'Assemblée provinciale. Ça pose des problèmes. Même au bureau de l'Assemblée provinciale. Même le bureau, c'est notre sujet. Nous ne voulons pas la déstabilisation des institutions. Ouais, parce que ça commence là-bas. Hein. Oui. Ça commence là-bas. Alors, je profite alors, parce que nous parlons de la sortie du gouvernement. Pour apaiser. Demander à mes frères députés provinciaux. Là, vous pouvez regarder la caméra. Je le demande parce que c'est comme la Bible dit. Le problème, c'est quoi? On ne peut pas devenir tous président, gouverneur, président de l'Assemblée. Ministre. On ne peut pas devenir tous ministres. Ouais. Surtout à ce qui concerne le gouvernement provincial. La loi définit déjà le nombre. 10 ministres. Il y a 10. Ouais. Chers députés, pendant la campagne, votre frère Kamboulou, vous avez vu. Ouais. Dans vos discussions, vous êtes promis. Son Aleki. Ouais. Mais moi, putain, si je sortais, tu seras ministre. Tu seras ministre. C'est bon. Mais avec les réalités maintenant. Pendant la campagne, ça s'est passé. Ouais, ouais. Mais maintenant là, où vous avez le parti au pouvoir, qui demande 5 ministres. 5 ministères. Qu'est-ce qu'il doit faire? Maintenant là, vous êtes député élu des règlements politiques. Votre patron, qui est censé vous recommander, n'a pas pu le faire. Alors, les partis politiques qui devaient vous envoyer, vous recommander, n'ont pas pu faire ça. Ouais. Et même le gouverneur avait la volonté de respecter les engagements que vous avez pris au moment de la campagne. Mais ça n'est pas. C'était pas le cas. Que faire? On tue la province. Que faire? Nous devenons des ennemis. Où on se dit, on est des hommes politiques. J'ai été même élu. Et non pour être à l'exécutif. Mais pour être ici. Élu pour être pour légiférer à l'Assemblée et contrôler le gouvernement. Ouais. Je pense que notre très cher député, que nous avons invité nous autres déjà pour échanger avec, c'est le temps qu'il puisse comprendre. Au lieu maintenant d'en créer un problème,
pousser le gouverneur à bien faire, d'aller dans votre circonscription, construire pour vous un centre de santé. Pousser le gouverneur d'aller chez toi, il n'y a pas d'eau, qu'il arrange s'il n'y a pas de pont. Et si alors vous menez un lobbying comme ça, et qu'on réalise un pont dans ton territoire, dans ta circonscription, vous aurez gagné plus que le gouverneur. Encore une fois de plus, au nom de la notabilité dignitaire, pardonnez-vous les uns les autres. Les autres. C'est important que Kassa Central puisse dépasser nos entendements, nos rumeurs, étant donné que nous vivons sur cette terre. Merci beaucoup. Et aussi, il y a les gens qui voulaient me voir personnellement Kabukapu dans le gouvernement. Dans le gouvernement. D'abord, la première personne, c'est moi. Vous n'êtes la pas première personne, c'est moi. J'ai eu trop d'appels. Je m'y attendais vraiment à ça. Même Kinshasa, les gens. La première personne, c'est moi. On dit non, la notabilité et les divinités ne sont pas. Parce que vous avez l'idée. Non, nous sommes dans le gouvernement. En commençant par lui-même, le gouverneur est notable dignitaire. Il a nommé, je vais vous le citer ici, les notables dignitaires 6. Au gouvernement. Nous avons allé Luc Sampoy au ministère de l'Intérieur. Nous avons Pierre Moutela qui est au plan quotidien. Nous avons Jean-Jacques Tshibolambombo. Pierre Moutela, mon frère, félicitations. Voilà, voilà Moutulangaï. Alors nous avons Jean-Jacques Tshibola qui est Jean-Jacques Tshibola aux finances. Nous avons Balofoy qui est reconduit, qui a été avec mon frère Kapeya. Au gouvernement. Nous avons également Madame Rose. Là, on signale que Ngana Stéphane, ton coach déjà là-bas notable. Ton coach, mais comment, c'est important. Tu rejoins Dribino déjà, Ngana Stéphane. Non, porte son gagnement Ça, c'est un cadre d'échange. Nous ne nous retrouvons pas pour parler de nous. De nous, les gens qui pensaient, les gens qui pensaient que j'ai vu mes conseillers de l'ancien gouverneur Kabeya, il dit, mais. Monsieur le conseiller, je suis dans le gouvernement. Vous n'avez pas fait un problème. Je suis dans le gouvernement. Comment je peux faire un problème pendant que je suis là? Ouais. Gouverneur, c'est moi. Parce que vous comprenez. Allez, Loukouza, c'est moi. Pierrot, c'est moi. Nous sommes dans le gouvernement. N'attendez pas voir Kabuka pour individu. Mais lisez, c'est une bien les dit non. Vous allez voir. Les notables sont là. Nous sommes là. C'est important. Très important. Voilà. En tout cas, voilà ce que je voulais encore ajouter. En tout cas, merci beaucoup. Notre lutte ici est que les animateurs de ces deux grandes institutions provinciales aillent jusqu'à la fin du mandat ou de leur mandat. C'est ça notre lutte. Et c'est ça même notre. Pas qu'il y ait la défenestration au cours de leur mandat. Ça, c'est ce que nous ne voulons pas. Tenons vraiment Mordicus de les accompagner jusqu'au bout pour voir ce qu'ils pourront faire pendant ces 5 ans. Et aussi, ce n'est pas un cadeau. Et aussi doivent faire l'essentiel. Parce que c'est comme le gouvernement. Ah oui, c'est comme ça. Le gouvernement Kamboulou. Oui, c'est ça. C'est l'espoir d'une population. Il a du pain sur la planche. Alors, si moi, personnellement, c'est ça, moi, mais des fois, moi, si je constate qu'il ça, se ça sent commence à boiter. Ce qu'il nous avait promis de faire, il ne le fait pas. Parce que nous allons encore revenir ici après 100 jours. Je dois vous dire, mais là, je ne suis plus d'accord avec lui. C'est comme ça, moi. Ah oui, mais ça, alors, ça, il est obligé de mieux faire. Même les ministres Ouazalendo, là, mes frères là, qui venaient d'être nommés au sein du gouvernement, nos yeux sont prêts à guérir. Si on constate que vous êtes ministre des Plans, comme Pierre Omoutela, ministre des Finances, comme Jean-Jacques, Alain Loukousseau, à l'intérieur, et que rien ne marche, non, nous allons vous dire, poliment et sûrement, de rentrer, de nous laisser notre de gouvernement. De nous laisser notre ministère. Franchement, il doit faire les choix. C'est pour ça qu'on me dit, Kabukapu caméléon, non. Non, ce n'est pas question d'être caméléon. On est bon avec ce qui est bon. Nous nous soutenons ceux qui travaillent pour l'intérêt général. Si on constate que ça commence. Qui travaille d'arrache-pied. Si on constate que ça commence, dit aboiter, tout ça. Ça devient comme un jeu de sport. Non, on va dire. À ce moment-là, arrête. On se met debout. On raisonne. Hein? On se met debout. Autrement. Le Ouazalendo, nous allons nous mettre debout. Amen. Ouais, nous allons nous mettre debout. Voilà, nous allons maintenant parler de la pénurie d'eau. Dans la vie de Kananga. Nous étions, comme je l'ai dit, au sommet de notre émission avec le gouverneur, parce que c'est un homme du terrain, il faut le rappeler. Kamboulou, c'est un homme du terrain. Nous étions avec lui à la station de captage d'eau de Tshibaji. Avec lui, il a parlé. Je vais d'abord demander à notre technicien de balancer l'extrait de son intervention, comme ça nous allons revenir. Parce qu'il y a les amis de la Loucha qui ont fait une manifestation pour réclamer l'eau.
C'est leur droit. Nous allons revenir. Aussitôt que l'équipe de Kinshasa sera là, on va le faire. Puisqu'on attend que le présentant, on ne peut rien faire. On attend seulement les gens qui vont venir de Kinshasa, qui sont eux qui vont amener les pièces. Je ne suis pas technicien, mais à entendre monsieur le directeur provincial, je ne suis pas rassuré parce que je suis un député national. Il est nécessaire que moi et l'autorité provinciale, nous nous impliquons dès ce soir pour qu'on ait une solution adéquate par rapport à ce qu'on a vécu nous-mêmes. Non, on ne me demande pas de m'impliquer. Je suis impliqué, sinon je ne serais pas ici à cette heure. Hein, nous sommes un samedi, mais je suis venu parce qu'effectivement, dans les médias, on a raconté que la population est un peu agitée, avec raison bien entendu, parce que sans eau, il n'y a pas de vie. Ce sont les amis de la Régie des eaux qui ont sorti le principe, l'eau, c'est la vie. Et donc, s'il n'y a pas d'eau, c'est qu'il n'y a pas de vie. Et alors, on est dans quel monde? Je crois que le technicien l'a dit, le député national l'a répété, il y a un problème réel, c'est que les moteurs sont en panne. Je me t'ai impliqué totalement pour appeler le DG à partir de Kinshasa, de manière à savoir qu'est-ce qu'on peut faire, même en termes de solutions palliatives, pour donner l'eau à la population. Il m'a dit, et il l'a fait, il m'a dit que la première chose était d'envoyer de l'argent pour qu'on paye les agents. Parce qu'il y avait un petit mécontentement de ce côté-là. Et la deuxième chose, c'est qu'il devait envoyer un peu d'argent, pouvant permettre d'acheter du carburant, de manière à ce que la ville soit desservie pendant une dizaine d'années. Hier, j'ai appelé l'intérimaire, parce que le directeur provincial est en déplacement vers Luisa, pour savoir où est-ce qu'on en était avec cela. Il m'a dit effectivement que les agents ont été payés, que l'agent du carburant a été effectivement envoyé, mais qu'il se posait un problème, parce que même si on achetait du carburant, l'eau ne serait pas sur les turbines ou sur les tuyaux. Pourquoi? Parce que les moteurs sont en panne. Et il m'a dit que le directeur avait jugé bon que la mission vienne d'abord réparer les deux groupes. Et il y a vol le lundi, il y a vol le mardi. Je pense que si ce n'est pas le lundi, ça sera le mardi. Et aussitôt que l'équipe arrive, elle va se mettre tout de suite au travail. Parce que j'ai dit aux amis de la Régie des eaux, comme je l'ai dit aussi aux amis de la SNL, qu'il y a un problème qui ne va pas et que je ne peux pas accepter. On m'a même dit qu'ils seraient en train de travailler pour saboter les actions du gouverneur. Je leur ai dit, et je leur ai dit que si je vous donne un délai, si ça perdure, nous allons nous prendre en charge. Mais je crois qu'ils ont compris, et je peux bien rassurer la population de la ville de Kananga, que les solutions sont en train d'être trouvées. Mais je demande à nos amis ici de ne pas aller à une situation de rupture. Donc il faut que les réserves qui sont là permettent à la population d'avoir de l'eau lundi, mardi, et que mercredi, ça soit un retour à la situation normale. Merci beaucoup. Je pense que vous avez suivi l'extrait de l'intervention du gouverneur. Il y avait encore l'honorable Rombo, l'honorable Rombo Kalombo, qui est avec nous. Voilà. Quelle est la lecture que vous avez faite par rapport à l'intervention du gouverneur? Je voudrais aussi que les gens comprennent comment les entreprises commerciales fonctionnent. Ouais. C'est aussi un problème. Ouais. Avant de venir dans votre émission, j'ai toujours eu le temps de faire les tours. Oui, je vous connais. Ça, c'est votre travail. Ce qui fait que lorsque moi pendant que les autres dorment, vous êtes dehors. C'est ce qui fait que lorsque je parle, c'est difficile que je sois contredit. Contredit. Parce que vous avez... on vérifie le tout. Oui, vous avez tous les éléments. Je salue d'abord mes jeunes frères de Lucha. C'est un droit reconnu. Reconnu. Ils ont bougé aussi les choses. Mais la vérité est que le président de la République, l'année passée, avait doté un grand groupe électrogène des eaux. Et les groupes ont tombé en panne. Suite à l'inondation d'eau, comme le gouverneur a dit ici. Et
et les terrailles. Les voilà. Mmh. Alors, le problème, c'est la pièce. Mmh. Cette pièce-là n'était pas Kinshasa. Mmh. Il semble qu'on a. C'est venu de l'Europe. Ouais. Pendant ce temps-là, la régie ne devait pas fonctionner. Ouais. Parce que c'est le seul groupe qui nous restait qui donnait de l'or. Ouais. Donc, une fois informé, on a fait pression. Il y a même un sénateur qui était Jean Tshisekedi, qui était avec les DG, c'est de Menet. Ouais. Et la pièce est arrivée à Kananga. Ouais. Mais là, la pièce est déjà à Kananga. C'est ce que le gouverneur avait dit. Voilà. Aujourd'hui, nous sommes mardi. Voilà. Ouais. La pièce est là. À Kananga. Et les gens. Et les techniciens aussi sont déjà là. Sont arrivés hier. Ouais. Selon. C'est ce que le gouverneur a dit. Parce qu'il y a Kananga, il n'y a pas les techniciens qui peuvent facilement remplacer la pièce. Il ouais. faut qu'on paye les frais d'émission pour ceux qui sont là-bas. Les techniciens arrivent. C'est hier. Ils sont déjà ici. Ils sont arrivés. Depuis hier. Notre prière. Et votre prière et la prière de tout le monde, que nous sommes en train de consommer une mauvaise eau. Si ces techniciens-là peuvent travailler comme le chinois, pourvu qu'on en finisse et qu'on nous donne de l'eau. Ça, c'est la première information par rapport à la pénurie. Ouais. En saluant, bien entendu, mes frères de Loucha. Et deuxième élément que nous devons retenir, c'est que c'est la province, depuis le mois de février, le carburant qui venait de Kinshasa n'arrive pas. Là, il faut qu'on puisse ramener les dossiers jusqu'à ce niveau. Donc, les carburants pour voir quel est le problème. En partie d'ici. Oui, parce que le chef de l'État avait résolu d'être doté, que ce soit la régie des eaux, que ce soit la SNEL, un lot important de carburant. Des carburants. Tout ce temps, les carburants arrivaient. Ouais. Mais arrivant seulement au mois de février, on ne voit plus que ces carburants venir. Est-ce qu'il y a des enjeux politiques au niveau de Kinshasa? Est-ce qu'il y a des aventuriers qui en détournent? Ou c'est parce que la SNCC avait aussi eu des problèmes des rails? Des rails. Nous nous posons toutes ces questions pour en savoir plus. En profitant de votre micro, je mets ce débat-là devant sur la table. Sur la table. Et que le gouverneur puisse aussi suivre à quel niveau le carburant est bloqué. Ouais. Parce que ça venait régulièrement. C'est le carburant qui poussait la SNEL à nous donner du courant à un moment. Parce qu'en fait, nos factures posent des problèmes aussi. Alors, comme le carburant venait du chef de l'État et que le peu qu'on paye, ça équilibrait les deux sociétés. Alors, pourquoi ça freine? C'est à quel niveau que les chefs d'exécutif puissent voir ça. Et nous aussi, nous allons aussi faire mener nos démarches à la présidence pour en savoir plus. Comme d'habitude. Voilà. Merci beaucoup. Vous allez parler un peu, vous allez vous adresser un peu à nos téléspectateurs par rapport au projet chez Tembombo. Où en sommes-nous avec ça? Je sais qu'ils attendaient cette question-là. Il y a notre frère, le DG de Peseco, qui a déjà soumis ce projet. Mabi Moulouma. Mabi Moulouma, que je salue là où il est. Mais évidemment, la Peseco n'a pas de moyens. Oui. La Bessouko prépare les projets, il soumet au bailleur, soit au gouvernement. Ouais. Mais jusqu'à maintenant, là, il n'y a pas eu un franc pour chez. Mais c'était prévu que l'ancien ministre des Finances débloque 335 millions pour financer ces projets-là. C'était Anser qui nous avait dit ça. Non, mais c'est ça. C'était dans un atelier. Rien. Nous venons de Kinshasa après les enquêtes. Rien n'a été débloqué par rapport à ça. C'est pourquoi je continue à demander à madame l'actuel Premier ministre et l'actuel ministre des Finances. Des Finances. De veiller aussi à ça. À ça. Parce que c'est la. Nous pouvons tout manquer. Mais pas l'électricité. Pas l'électricité pendant ce deuxième mandat du chef de l'État. C'est important. Et constitutionnellement, c'est le dernier mandat. Non. Obligatoirement, c'est le dernier mandat. C'est le dernier mandat. On n'a pas autre choix que ça. Mais si alors le chef de l'État est parti. Sans qu'il nous qu'est-ce reste du courant. Qu'est-ce que vous allez dire? Nous serons maudits alors. Nous serons maudits. Ça sera une malédiction. Au Congo ici, les Kassaïens, qu'est-ce que vous allez dire? Ça sera une malédiction. Et quel est ce président-là qui va vous donner du courant ici? Comme le projet Bombo a été déjà totalement fini au niveau des études, il ne reste que le moyen. Que le gouvernement national puisse donner des moyens à, je ne sais pas quelle est l'entreprise qui a gagné les marchés, pour qu'on débite des travaux, parce que là, on nous dit, dans 18 mois, il y a moyen de trouver les courants. C'est important. Alors, nous là, aussi, la route qui a bougé. Et ça ne peut pas. Nous, là,
Papa, c'est impossible. Vous allez regarder notre caméra et vous allez vous adresser à la population centre-cassaïenne qui attend beaucoup de ce gouvernement. Et il y a encore des détracteurs qui sont là. Ils sont indispensables. Ils sont là en train d'instrumentaliser la population pour qu'ils aillent en opposition contre l'actuel gouvernement provincial. Vous allez, en tant que président de la société civile du peuple, vous adresser à ces peuples-là. Banabetou. Tu dis que le gouverneur, le ministre, venez, nous devons tous construire notre province parce que c'est notre patrimoine. Nous avons donné, nous continuons à donner le temps au gouvernement national parce que tous ces projets ici, si le gouvernement national n'a pas la volonté, ne libère pas les fonds, rien ne sera fait. Alors que le gouvernement national donne aussi les moyens également au gouvernement provincial. Parce que le gouvernement provincial avec la DGCAC, on s'est dit, mais la DGCAC, qu'est-ce qu'on peut faire avec l'agent de la DGCAC si les pouvoirs centraux ne donnent pas les moyens. Donc, notre pression, nos yeux sont braqués sur le gouvernement sur central, le gouvernement central pour le bien de tous. Pour le moment, évitons tout ce qui nous divise. Pour le moment, ceux qui pensent semer le terrain. Ceux qui pensent diaboliser les uns et les autres, ceux qui pensent que voilà, tout bien rangé bien so, bichikile tuboy, bichikile baboya, ce n'est pas le moment. Ba député banan ba mamba gouvernement, mamba gouvernement banan ba député, institution ibidiyi, il continue kwenze mudimu, muditalala, mubobu moins conformément aux principes et aux lois de la République que pas de séparation de pouvoir. En tout cas, merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Je vous ai toujours rappelé la définition de l'État d'un doctrinaire. Il s'appelle comment son nom m'a échappé. Léon Degouy. Voilà, Léon Degouy. Il définit l'État comme l'ensemble des services publics en coopération. Ça, c'est pour enchérir à ce qu'il vient de dire ici. Nous avons l'Assemblée provinciale. Nous avons le gouvernement provincial. Vous devez coopérer, vous devez collaborer pour que nous, vos administrés, nous puissions nous retrouver dans votre gestion. Ne vivez pas aux antipodes, s'il vous plaît. Sinon, nous allons en pâtir. Maintenant, nous vous soutenons parce que vous êtes encore dans la bonne voie. Et une fois que vous allez dévier, vous serez intercepté, soit par l'argent, soit par les commentaires des gens. À ce moment-là, vous nous verrez sur votre chemin. Mais pour le moment, nous sommes derrière vous. Nous vous accompagnons. Nous vous soutenons, s'il vous plaît. Travaillez, ne dormez pas. Nous voulons voir de l'eau, du courant, au Kassai central, l'avarie urbaine, la route Kanana Kalamambouji, tronçon Kamouchkananga. C'est tout ce dont nous avons besoin. En tout cas, merci beaucoup à notre invité d'avoir répondu à notre invitation. Je crois que ce n'est pas la dernière fois. Parce que yoza mutaba mbodi, yoza mutaba plan, donc chaque fois il faut obéir à ma plan. Parce que la minute photo landa, ma dirigeant pour le bien-être du peuple. Je voudrais finir. Allez-y. Pour vous dire que il est important que le gouverneur puisse ouvrir l'œil. J'étais membre des projets PIREC avec cette histoire des ravins, avec les 100 milliards. À ma grande désolation, 4 mois fait à Kinshasa, je ne trouve rien sur le terrain. Il faut que le gouverneur puisse se renseigner, poser des questions où est passé l'argent qui était déjà débloqué pour les 4 ravins avant mon départ à Kinshasa. Deuxièmement aussi, que le gouverneur s'implique pour donner une mesure de gaz à la banque mondiale par rapport aux travaux qui se passent au complexe scolaire de Kamaï. Parce qu'il y a des projets finis réellement le 30 juin. Mais vu les travaux qui restent, si on n'accorde pas un mois, l'argent doit être retourné. On ne doit plus totalement finir les travaux. C'est important de demander encore un mois à la banque pour permettre aux entreprises qui ont gagné des marchés de tout finir. Merci beaucoup. Je pense que le gouverneur
nous écoute trop. Il vous a écouté. Et nous allons revenir encore pour parler des ravins. Trop disponible. Pour parler des ravins. J'étais là vous comme avez membre. Un élément important. J'étais là comme membre, j'avais démissionné. Nous allons descendre sur le terrain. Tout à fait. Nous allons descendre ça sur le terrain. Nous allons trop travailler sur le terrain avec vous parce que nous sommes déjà, je suis déjà là, je suis notable. Bienvenue. D'ailleurs, nous allons, merci beaucoup. Nous allons recevoir nos ministres nommés. Hein? Vous serez là. Oh, je serai là. On va bouffer, manger. Ouais, ouais. Même Stéphane Balamang aussi, il est encore là avec nous. Très notable bien. Aussi. Merci beaucoup. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup. Cher ami, merci beaucoup. D'accord.